Bonjour, je suis le docteur Dessigny, je suis pédopsychiatre et je vais essayer de répondre rapidement à un certain nombre de questions concernant les problèmes que présentent les enfants. Un certain nombre de violences physiques punitives ne sont pas gravissimes. Moi, je dirais qu'il y en a deux qu'il faut certainement éviter, même si on ne comprend pas pourquoi. L'une, par exemple, c'est la gifle. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que le visage est comme ça, au lieu de la fierté de l'individu, et que la gifle est quelque chose qui attente de façon assez grave à cette dignité qui est toujours importante de protéger. La deuxième réponse, que moi je connoterais assez négativement, c'est la fessée. Pourquoi? Parce que la fessée a des significations sexuelles perçues par l'enfant et des significations sexuelles entre parents et enfants qui n'est pas bon de développer, et les parents peuvent être tout à fait inconscients et de tout à fait bonne volonté en développant ce type de violence punitive à l'égard des enfants qui vont avoir des réponses complexes par rapport à ça, parce que ça va être une violence sexuelle qui va être vécue à la fois comme une violence et comme une satisfaction.